papa oh ni waye eye bi kolata je eye bi honere je o eye bi bola mute eye bi nyoso te o eye bi se mabe ayaye. Il y a des gens qui croyaient que Fouassa était un fantôme. Il était très réservé, très effacé, mais très efficace. C'est une pertinence, non seulement pour moi, je crois pour la RTNC, qui perd un pilier de grande valeur, un des directeurs très sérieux et très documenté. Il est mort en étant directeur de l'ICEA, l'Institut Congolais de l'Audiovisuel. Donc, il était là aussi pour la formation, pour les jeunes qui aiment les médias, qui aiment l'audiovisuel. Il était là, c'était sa vocation, il était en train de les former. Il était assistant, il était présent, que ce soit à l'IFASIC, que ce soit dans d'autres instituts ici localement. Donc vous voyez, c'était un type sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, Fouassa était complet. On pouvait l'utiliser dans des colloques. Dernièrement, j'avais fait un match tout seul, il n'était pas là, il était à Bangui. C'était une mission de service, il était parti parce qu'il devait donner cours. Donc il était complet. Bon, je ne sais pas si je peux trouver un remplaçant comme Fouassa, je ne sais pas.